Famille, chemin de vie 6, on est avec toi aujourd'hui. Méthode de tirage Ankh. Alors, on dispose les cartes comme ça et on répond à quelques questions. Ok, donc pour toi, en fait, en ce moment, qu'est-ce qui te préoccupe? Il y a la récupération, la guérison, mais pour d'autres aussi, c'est chemin de vie 6, c'est l'isolation, hein? C'est que tu t'isoles un peu. Il y en a qui prennent, qui sont en train de prendre soin d'eux. Mais comment je peux dire ça? J'ai pas envie de dire préoccupe, mais ce qui occupe vraiment principalement tes pensées, c'est de pouvoir justement, il y a l'idée de rebondir, l'idée de repartir en fait vers, on verra quoi, ok? Alors, donc c'est ça pour la fondation. Désir inconscient. Désir inconscient, c'est que tu veux complètement changer de paradigme. Tu veux que les choses changent, mais à 365. Hein. Tu veux un changement radical à 365 degrés, quoi. C'est ça. Tu veux que les choses soient vraiment... que ce soit total, ok? Tu veux ça. C'est ça ton désir inconscient. Ensuite, qu'est-ce que tu as fait de positif depuis? Alors, ce que tu as fait de positif pour pouvoir voir le changement radical toi-même, au lieu d'attendre, c'est que tu as commencé à dire non, quelque chose que tu ne faisais pas. Chemin de vie 6, alors si on peut parler un peu de toi, c'est qu'on te nomme, on te surnomme le nourricier. Le nourricier, c'est-à-dire c'est la personne qui a les ressources et qui... Nourricier, comme une mère, quoi. Tu vois, la mère qui allait ses enfants, donc elle leur donne carrément les ressources, la nourrice. Donc, c'est toi le 6, le chemin de vie 6. Ça veut dire que ta vie sera marquée comme ça de moments où tu es celle qui pourvoit, voilà. Celle qui pourvoit souvent aux besoins des autres et tout. Et évidemment, quand c'est comme ça, ça veut dire qu'il pourrait aussi avoir des abus, hein, certains qui en prendraient trop ou bien quoi que ce soit. Mais toi, ce que tu as commencé à faire de positif, c'est tu as commencé à dire non. Hein? Tu as commencé à refuser, ok. Je te vois refuser, je te vois dire non. Quelque chose que tu as la difficulté à faire, chemin de vie 6, que tu avais la difficulté à faire. Maintenant, tes qualités et tes défauts. Bon, qualités et défauts, je ne sais pas si c'est plus... comment il faut voir ça. De toutes les façons, nos qualités sont nos défauts. Donc, c'est plutôt une qualité en ce moment parce que tu es en train d'apprendre à quitter. Il y avait une dépendance, il y avait une relation de codépendance. Il y avait aussi pour certains chemins de vie 6, pour d'autres c'est
il y avait une dépendance, une addiction, comme on dit, dépendance à quelque chose, ou même une relation où on est trop dépendant, en fait, affectif. Ça implique tout ça. Mais tu es en train de quitter ça. Tu es en train de te dire, ben, je peux vivre sans ceci, ou bien sans. Je ne suis plus vraiment attachée, je ne me sens pas vraiment attachée à cette relation ou quoi que ce soit. Donc, c'est plutôt une qualité, et tu es en train de savoir dire non, fermer la porte, et aussi, tu es en train de savoir fermer la porte à qui abuse, et puis aussi à te détacher aussi. Donc, c'est une qualité que tu es en train de développer. Le sacrifice à faire ici, c'est ça, de tourner en fait complètement. Il y a vraiment quelque chose que tu quittes, et tu donnes le dos. Tu donnes le dos à ça. Tu donnes le dos. J'ai envie d'insister, c'est vraiment de donner le dos à ça, de vraiment quitter, parce que c'est ça le sacrifice, d'accepter de laisser, ok? Dans le futur, qu'est-ce qui arrive? Hein, tu vas recevoir des nouvelles, ok? Tu vas recevoir des nouvelles. À propos de quoi? Bon, quand j'éclaircis, ben, c'est à propos de la fin de. Il y a quelque chose qui s'achève, la fin, ok? La fin de quelque chose. Donc, et quand je demande d'approfondir, je vois celle-là, donc la fin de. Donc, tu achèves un cycle, mais avec cette énergie féminine-là, qui est une personne assez connectée aussi à son intuition, si on peut dire comme ça, mais aussi en même temps connectée à son intuition, mais elle a aussi l'élément feu en fait. Je vois l'élément, tantôt l'élément eau, mais aussi l'élément feu qu'elle a, les deux. Donc quelque chose s'achève, en tout cas, tu vas recevoir des nouvelles avec cette personne, tu vas recevoir des nouvelles, quelque chose s'achève avec cette personne. Avec cette personne, avec cette énergie aussi. Donc pour d'autres, ça pourrait ne pas forcément représenter une personne, mais une providence. Donc quelque chose aussi que tu recevais, et là aussi, ça prend fin. Ok. Ce que tu as besoin de savoir, très important, ce que tu as besoin de savoir, on veut que tu continues, parce que de toutes les façons, ce n'est pas, quand on parle de, oui, une fin à venir, mais tu vois ça c'est quand même la carte de l'avancement. Les choses avancent pour toi. Ça roule quand même pour toi. OK? Ça, il y a quand même de l'avancement. Même si il y a fin, peut-être avec certaines relations, mais les choses avancent quand même pour toi. Tu n'as pas cette impression en ce moment. Voilà pourquoi on veut te le rappeler, quoi. On veut vraiment te le rappeler que ça avance quand même. Alors, l'issue est quand même divisée, parce que là, on te prévient que bientôt, ça, pour certains, ça ne sera pas aussi facile financièrement, suite à la fin ici. C'est lié à celle-là, ok, à cette fin. Je vois que définitivement, et ça ne sera pas facile financièrement. Mais on te dit de poursuivre, ok? On te dit de ne pas lâcher, de continuer. Et puis, pour d'autres chemins de vie 6, il y en a qui ont trop insisté dans le corporatif, alors que leur voie, c'est lorsqu'ils vont commencer à vraiment travailler avec la nature. Tu vois le cavalier ici, sur l'éléphant, et il est en train de s'aimer. Donc, il est en train de travailler avec la nature. Il y a des chemins de vie 6 qui sont en train de trop insister dans le corporatif. Et le corporatif, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que c'est ça qui donne plutôt d'aller travailler en fait avec la nature. Peut-être que tu te dis que oh, c'est trop tôt ou quoi que ce soit, mais là on est en train de te confirmer que non. Peut-être que c'est pas trop tôt de penser à ça, puisque ça se présente à toi. Si tu restes dans le corporatif, ben c'est le 2 de comment on dit ça, de Pentacle, et lui, il est synonyme de difficultés en fait, ou financières, ou alors pas forcément une difficulté, mais il y a aussi le fait que tu arrives à joindre les deux bouts, mais c'est juste au fait. Donc tu arrives à la fin du mois, mais c'est juste. Sauf que là, ici, travailler avec la nature, ou bien persister dans tes idées en fait personnelles, là oui, ça donne, ok? Je peux même peut-être encore tirer une autre carte pour. Une autre pour encore plus approfondir. Celui-là, donc lui, il est quoi? Lui, je vais essayer de. Comment il s'appelle? Donc. Un instant.
celui-là. Encore la terre, c'est comme, oui, c'est ça. Lui, il vient te dire, parce qu'il est sorti renversé. J'ai demandé à approfondir. Il vient te dire que c'est comme si tu ne vois pas les opportunités, mais il est lié aussi à l'élément terre, tu vois. Donc l'idée, tu avais forcément cette idée de travailler la terre, de travailler avec la nature, mais tu as mis ça loin. Alors que c'est comme si en ce moment, c'est ça qu'il faudrait considérer. Sinon, en restant dans le corporatif, c'est-à-dire bosser pour le système, bah, c'est que tu arrives vraiment, comme je dis, les fins de mois, et puis c'est juste quoi. C'est ça. OK. Donc voilà, chemin de vie 6. Pour quelques chemins de vie 6, OK, pas tous les chemins de vie, mais pour certains chemins de vie, une faible proportion, il y a aussi quelque chose qui est fait contre toi. Donc quand je dis quelque chose, c'est que on touche au boli. Donc le boli, c'est ce qu'on appelle les fétiches, afin que les choses soient serrées aussi pour toi, que ça n'avance pas. Mais attention, c'est pas tous les chemins de vie 6. C'est vraiment, il y a, je dirais que je vois à peu près trois personnes. Ça concerne vraiment trois personnes pour cette lecture-là, et non tous les chemins de vie qui sont en train de regarder. Alors, ne paniquez pas tous. Ah, ne paniquez pas tous, mais pour certains, oui, honteux. Et puis, de toutes les façons, vous le savez, donc c'est juste une autre confirmation encore que, voilà, il y a du sabotage qui est fait, OK, de la part d'une énergie masculine, je dirais plutôt d'un homme, qui est fait pour que ce soit vraiment bloqué et tout, que ça n'avance pas pour toi. Voilà, c'est ça. Alors, où sont mes oracles, mes messages? Donc, je vais prendre une pause et puis je vais aller chercher les cartes des messages. De retour, j'ai la carte des messages, tu vois, la même chose, on te dit, ça correspond un peu, hein, à ça, quand j'ai dit tout à l'heure, tu guérison, tu veux rebondir, et te voilà ici, le phénix qui se renaît en fait de ses cendres. Donc c'est vraiment toi en ce moment, chemin de vie 6. Chemin de vie 6, c'est important, pendant que j'allais chercher les cartes, je téléchargeais aussi ce message, c'est que n'oublie pas, toi, quand je fais les bilans, je dis toujours... Quand je fais les bilans énergétiques de quelqu'un et qu'il a le 6, je lui dis, tu dois être le leader Ubuntu. Donc en fait, tu dois être le leader charismatique. Les choses auxquelles tu vas penser pour te réaliser, ça doit être des projets qui vont apporter les ressources aux autres. Quand tu fais ça, tu auras toujours l'abondance, tu auras la prospérité en fait sur ton chemin. Un chemin de vie 6, tu n'es pas comme le 3 par exemple, qui est lui la vedette, la star et tout ça. Tu n'as pas nécessairement besoin d'être souvent devant pour toi. Toi, tu es le nourricier. Tu comprends quand on dit le nourricier, c'est que les gens viennent, ils se ressourcent chez toi. Donc, tu dois faire en sorte que tes projets arrivent à un peu comme je vois un peu ici à Nancy, la toile de Nancy. Tu fais la toile, mais ici, c'est positif. C'est pas pour pas comme si c'est un piège, mais chacun va pouvoir venir. Se greffer sur la toile et se ressourcer en fait. Donc pas une toile comme un piège, mais plutôt une toile où on viendra se ressourcer. C'est des projets comme ça que tu dois être en train de penser. OK? Ça apporte beaucoup aux autres. Et ça ne veut pas dire que ça va te laisser sans ressources. Non, c'est ça la véritable richesse pour toi quand tu es en train de donner aux autres de nourrir. Évidemment, oui, on a vu aussi que si y en a qui abusent. Il y en a qui abusent, il faut dire non, faut arrêter, tu as commencé à le faire, c'est très bien. Regarde, j'ai dit ça et maintenant je tombe sur ça, tu vois. Celui-là, j'aime beaucoup cette carte, je pense que j'en ai parlé déjà. La compensation, la persévérance, le prince de l'arc-en-ciel est très, très, très positif. Mais ça, c'est si tu es aligné avec ton chemin de vie, comme on dit, ta mission de vie, ok? Et puis aussi, c'est de savoir quel est un peu une partie de ta charte natale. Apprends un peu sur ta charte natale parce qu'il y a des informations dedans qui te spécifient beaucoup plus par rapport à ta mission de vie. Et encore, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est des directions. Tu restes le maître de ton bateau.
Donc, si tu veux, tu vas pas prendre ces recommandations comme vraiment à 100% comme ça vient, mais ça te permet de pouvoir t'orienter lorsqu'on te présente ta charte natale. Par exemple, le North Node dans la charte natale parle beaucoup de l'idée de mission de vie. Donc, si tu es chemin de vie 6, c'est bon aussi de savoir quel est le North Node dans ta charte natale. Et pour ça, il y a plusieurs façons de le faire. Lorsque moi par exemple, quand je fais un bilan énergétique, évidemment, j'inclus la charte natale de quelqu'un et je lui explique un peu 5 à 6 éléments de sa charte natale. Voilà, on se dit à la prochaine. Quoi d'autre? On vous invite, pourquoi? J'ai pas encore fait le... Cette fois-ci, j'ai enregistré la vidéo plus tôt, donc j'ai pas encore fait le menu du soir. donc je sais pas, mais vous êtes toujours invités à table quand c'est l'heure, ok? À la prochaine, portez-vous bien, été pour.